Les rendements du riz sont bas en Afrique, mais peuvent être plus élevés. Depuis 2006, les prix des produits alimentaires ont augmenté en Afrique et partout dans le monde. Si les paysans peuvent améliorer leur rendement, ils auront beaucoup plus à vendre. Alors, où peut-on produire plus de riz? Pour le riz de plateau, les rendements sont souvent assez bas à cause de la faible fertilité des terres et des pluies irrégulières. Les producteurs peuvent atteindre des rendements plus élevés dans les bas-fonds et surtout là où on maîtrise bien l'eau. Cependant, le rendement réel est souvent très loin du rendement potentiel, même avec de bonnes infrastructures d'irrigation. Augmenter la production rizicole nécessitera une amélioration des pratiques agricoles. Dans ce module, nous allons voir comment on fait le repiquage du riz. Écoutons d'abord quelques producteurs de Tianso au Mali qui nous expliquent les avantages du repiquage. Dans le temps, nous avions l'habitude de semer à la volée. Les mauvaises herbes nous causaient beaucoup de problèmes. Avec le semis à la volée, le riz ne pousse pas rapidement. Ensuite, nous avons adopté le semis en poquet. Ce mode de semis est meilleur que le semis à la volée. Le sarclage est facile ainsi que le désherbage manuel. Maintenant, nous repiquons le riz en divisant le champ avec sur une partie le semis à la volée et sur l'autre partie le repiquage. On voit directement que le repiquage est plus rentable. Les rendements au niveau du repiquage sont à leur tour plus élevés que ceux des deux modes de semis précédents. Les rendements au niveau du semis à la volée représentent le tiers de ceux du repiquage. Les autres avantages sont que le repiquage du riz permet d'économiser la semence et de sélectionner les meilleures plantules. Le repiquage donne également à la culture un avantage considérable sur les mauvaises herbes et facilite la gestion de la culture. Maintenant que nous connaissons les avantages du repiquage, voyons par où commencer. Utilisez des semences de bonne qualité pour obtenir des plantules vigoureuses. Néanmoins, ne semez pas trop dense votre pépinière, car cela vous donnera des plantules chétives et elles prendront trop de temps avant qu'elles ne soient assez solides pour être repiquées. Quand on compare le riz que vous voyez ici à celui-là, même si les pépinières ont été mises en place à la même date, la gestion du second est plus facile. Ceci est dû au fait que les densités sont très élevées par là. Il faudra attendre au moins un mois et 10 jours pour pouvoir repiquer celui-là. Les plantules trop âgées ne pourront plus bien taler et même si le talage a lieu, on obtiendra rarement plus de 6 tales par plant. Alors, quel est le bon moment pour faire le repiquage? Si vous voulez obtenir de bons rendements, vos plantules ont besoin de produire beaucoup de tales parce que chaque tale donnera une panicule. Il faut repiquer des plantules quand elles sont jeunes. Bien planifier vos différentes activités sur le terrain est donc primordial. Généralement, les agents de vulgarisation disent qu'on doit repiquer 15 à 20 jours après le semis. Mais écoutons comment les agriculteurs décident du bon moment pour faire le repiquage. Les plantules fragiles ne se prêtent pas à l'arrachage. Le meilleur stade est quand les plantules sont solides. On peut aussi compter les feuilles.
Nous avons ici une, deux, trois, quatre et cinq feuilles. Je repique certaines plantules âgées de 15 jours. Ce sont des plants assez minces, avec trois feuilles seulement. Les plantules sont repiquées à une profondeur d'un centimètre. Ces plants deviennent plus vigoureux. On doit se préparer pour coïncider avec le bon stade, c'est-à-dire préparer le champ. En général, quand vous repiquez des plantules plus âgées, elles donneront moins de talles et subissent un choc plus important au moment de l'arrache. Préparez donc votre champ bien à temps. Assurez-vous d'avoir bien plané votre terrain et que la mise en boue est bien effective. Cela facilite le repiquage des jeunes plantules. Si possible, inondez le champ avec une mince couche d'eau pendant quelques jours avant le repiquage. Notre champ doit être prêt au moment où notre pépinière ne dépasse pas les 2 semaines. Maintenant, nous pouvons commencer à repiquer les jeunes plantules. Irriguez la pépinière avant l'arrachage. Ceci réduira les dommages sur les plantules. Une fois arrachées, repiquez les plantules le plus tôt possible. Cela les empêche de se dessécher. En dehors de l'âge des plantules, la profondeur du repiquage affecte aussi le tallage. Le riz doit être repiqué à une profondeur raisonnable. La partie blanche de la base du plant doit servir de point de séparation entre la partie enfoncée et la partie aérienne. La partie verte doit rester en surface. La reprise est retardée si la partie verte est enfoncée dans le sol. Examinons pourquoi la profondeur du repiquage affecte le tallage. Dans cette photo, vous voyez 2 plantes, une avec beaucoup de talles et une autre avec peu de talles. Au moment du repiquage, ces plantules avaient la même vigueur. Cependant, celle qui est à gauche a été repiquée à une profondeur d'environ 3 cm, tandis que celle à la droite a été repiquée trop en profondeur. Les racines de la plante de gauche se sont rapidement réinstallées et les talles ont commencé très vite à émerger du nœud basal où la tige et les racines se rencontrent. Cependant, les racines de celle de droite, qui a été repiquée trop en profondeur, ont manqué d'oxygène et sont mortes. De nouvelles racines ont commencé à pousser des plantules à partir du premier nœud. Plus tard, des talles ont aussi émergé de ce premier nœud, mais elles étaient beaucoup moins nombreuses que celles de la plante de gauche, d'où beaucoup de talles de son nœud basal ont poussé. Puisque chaque talle produit une panicule avec beaucoup de grains, vous comprenez à présent que le repiquage dans un champ mal plané réduira considérablement vos rendements. Lorsque les plantules sont repiquées trop en profondeur, des racines commencent à se former, suivies par des talles de son premier nœud au lieu de son nœud basal. Dans ce cas, elles tallent moins. Les plantules ont besoin d'espace pour taler. De ce fait, plus il y aura de plantules dans un poquet, moins il y aura d'espace. Il est préférable de repiquer 1 à 3 plantules par poquet. Évidemment, vous économiserez des semences en repiquant moins de plantules par poquet. Les enfants ont l'habitude de repiquer jusqu'à 6 plants à la fois. Est-ce qu'il peut y avoir un bon tallage avec cela? Mais si c'est un adulte, il repique généralement 2 à 3 plants. Il y en a qui mettent jusqu'à 8 plants et le tallage se trouve sérieusement affecté. Le riz a besoin d'espace pour taler. Il tale pour capturer le maximum de soleil. Comme le tallage s'arrête au moment de la formation des panicules, il est important qu'à ce moment, la couverture soit totale. Cela se produira lorsque vous repiquez à des écartements de 20 cm. Si, au moment de l'initiation paniculaire, vous apercevez toujours l'eau ou le sol sur le champ, à travers la canopée, cela veut dire que la couverture n'est pas totale et le rendement sera inférieur à l'optimal. En plus,
Les espaces entre les plantes faciliteront le développement des mauvaises herbes, entraînant des pertes de rendement supplémentaires. Voyons à présent comment on peut repiquer. Au Burkina Faso, on repique le long d'une ficelle avec un marquage de l'intervalle sur la ficelle. Après chaque ligne de repiquage, on déplace la ficelle. Les agriculteurs laissent souvent 20 cm entre les plants. Abdourahmane Cissé, du village de Sianzo, au Mali, a développé une méthode simple qui lui permet de faire le repiquage en ligne. Les agriculteurs, à Madagascar, ont mis au point un dispositif similaire. Pour faire économie de main-d'œuvre, certains paysans repiquent en utilisant la longueur de leurs pieds ou mains comme unité de mesure. Ils repiquent de manière uniforme en respectant le même intervalle entre les plants. Rappelez-vous que le repiquage en ligne facilite le désherbage, comme nous le montrent les producteurs au Burkina Faso. Une partie des plants n'a peut-être pas survécu au choc du repiquage. Remplacez-les la semaine suivante pour assurer une mise en place uniforme de la culture. En résumé, qu'est-ce qu'on a appris? Le plus important à rappeler est que le rendement du riz est influencé par le nombre de tales. À part le choix variétal, le talage est affecté par trois principaux facteurs. Premièrement, le talage est affecté par l'âge des plantules au moment du repiquage. Les jeunes plants devraient avoir environ 4 feuilles au moment du repiquage, parce que les plantules trop âgées ne talent pas bien. Pour ce faire, préparez votre terrain et pépinière à bonne date. Deuxièmement, il y a la profondeur de repiquage. Le riz repiqué trop en profondeur donnera peu de talles. Troisièmement, gardez assez d'espace entre les plantes, préférablement environ 20 cm. Et limitez le nombre de plants par poquet pour optimiser le talage. Un bon repiquage nécessite planification et discipline, mais nous permet d'arriver à une bonne récolte. Tout le village a compris aujourd'hui les avantages de la nouvelle méthode. D'autres villages à l'intérieur comme à l'extérieur du Mali peuvent prendre l'exemple sur nous du fait de la persévérance des encadreurs et du bénéfice que nous en tirons. Notre souhait est que tout le monde profite de ces nouvelles technologies.